avons une excellente équipe de jeunes qui est très dynamique et qui n'a qu'une envie, c'est de démontrer leur capacité à pratiquer le tir sportif. Nous sommes 78 adhérents dans le club. La majorité, ce sont des jeunes de moins de 20 ans. Ce qui attire les jeunes dans le tir, c'est le fait que nous avons mis en valeur le fait qu'ils aient la possibilité de pratiquer le tir dans l'enceinte de la ville. Nous avons une ville qui est très dynamique au niveau du sport, qui nous permet de valoriser des stages pendant les vacances scolaires, ce qui en fait que les jeunes se communiquent l'information. Le bouche à oreille fonctionne très très bien et nous avons beaucoup beaucoup de jeunes qui viennent à ce moment-là. En général, j'y vais le mercredi après-midi et le vendredi. Et quand il y a des compétitions, j'essaye d'y aller plus de fois vers le sud de la semaine et le week-end. On a 2 heures pour tirer, donc on se prépare et après on a le cours habituel. On fait des échauffements musculaires. Après, on se met en situation de match et on finit par des jeux. Il y a la prévisée, après il y a la visée, et après on tire, après on attend, et après on peut poser, et après on peut changer de cible. Je bloque ma respiration pendant que je tire, et après je peux respirer. Quand je suis en visée, je coupe ma respiration, et c'est à ce moment-là où je pense à une musique, pour pas me distraire. Je sais pas, des musiques qui me viennent comme ça. Je repense à tout ce que Jackie nous a dit. Je tire et je reste en position. Très souvent, ils sont toujours au moins par binôme pour travailler parce qu'on leur fait faire à chacun un exercice qu'ils ont déjà vu au préalable. Il y a la préparation, la mise en place de l'arme, et surtout assumer un point essentiel qui est la sécurité à tout mouvement. Ça, c'est le point essentiel. Il y a les cibles de couleur que nous faisons travailler au sein du club. Et les exercices vont se travailler pendant maximum 15 minutes. Et ensuite, ils vont faire un petit débriefing pour voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont réussi à mettre en pratique ce qu'ils ont fait? Le point essentiel, c'est qu'ils soient contents. Apparemment, ça a l'air de leur plaire puisqu'ils reviennent et ils en reviennent. Trop cool. Un peu sévère des fois. Et c'est pour la bonne cause. Voilà.